this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Il est midi, je vous prends hyper tard. Comment vous dire ? On avait un rendez-vous ce matin à 10h à la maison avec un commercial qui est finalement arrivé à 11h30. Bravo. Voilà, il nous a pas prévenu bien sûr. Et moi j'ai pas arrêté d'appeler le magasin avant qu'il arrive et personne ne répondait. Et cette personne nous appelle, il est 11h moins le quart, tranquille, en nous disant « Oui, je reprends aujourd'hui, j'étais pas au courant du rendez-vous, on a eu un problème informatique, j'avais pas accès à mon agenda. » D'accord, ok. Bon, bref, en tout cas, il nous a bien mis dedans parce que moi, je devais partir déjà depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ça va être un peu shopping pour moi. J'ai envie de me trouver des vêtements, voilà. À la fin de la semaine, je suis sur Paris pendant 3 jours. Donc, je vais essayer de me trouver 2-3 petites tenues. Voilà, sympa. Et puis, j'ai aussi envie de me faire un peu plaisir de temps en temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est ma journée. Je vais essayer de me trouver quelque chose. Je vais à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle? Parce que ici à Royan, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose en magasin de vêtements. Et La Rochelle, il y a Zara. J'adore. Il y a Mango aussi. Donc, voilà. Au moins, Zara, ce qui est vraiment mon magasin fétiche. Celui que j'adorais faire il y a déjà quelques années. Et puis voilà, donc c'est parti. Malheureusement, il est midi, je ne serai pas avant 13h, 13h15. Je suis rentrée enfin. Ça a été la croix et la bannière, clairement. Déjà, d'une part, pour se garer à La Rochelle, c'est la cata. Et ensuite, en fait, j'ai eu du mal à retrouver ma voiture. Parce que moi, je fais partie des personnes qui ne connaissent pas une ville. Je connais La Rochelle comme ça pour aller me promener, mais pas vraiment, hein. Et je me garde n'importe où et je suis incapable ensuite de retrouver ma voiture. Voilà. Bref, c'était très très rigolo. Du coup, j'ai pu aller chercher les enfants à l'école parce que leur école est sur le chemin en fait, hein, donc du retour. Donc je me suis dit, bon, je vais m'arrêter. En plus, c'était pile poil l'heure, donc j'ai récupéré Clément et Kéliane. Et puis ensuite, on est rentré tranquillement à la maison. Je suis arrivée il y a quoi, une demi-heure à peu près. J'ai mis en ligne le vlog. Il était déjà exporté sur YouTube. J'ai juste fait la mise en ligne, miniature, etc. Là, je vais juste le visualiser. J'ai juste le temps un petit peu de le visualiser. Il faut que je passe à Intermarché ou Super U à côté. Il faut que je fasse un peu d'essence dans ma voiture. Et puis voilà. Et puis, je vais surtout vous montrer ce que j'ai acheté. Je pense que cette fois-ci, je vais peut-être vous le montrer sur moi. Voilà, je vous montrerai comme ça. Et puis, ce que ça donne sur moi. Vous verrez, je me suis prise deux robes et un beau chemisier que j'aime beaucoup. Voilà, ça change. Et c'est cool, ça m'a fait du bien quand même, cette petite après-midi shopping. Je ne me suis pas non plus lâchée, j'avais la haine parce qu'en fait, je sais très bien que demain, c'est les soldes. Mais impossible pour moi demain d'aller faire des magasins. On est vraiment trop pris, on a un rendez-vous le matin à 10h. On en a un à 14h, les parents de Sébastien sont là, les enfants ont leur activité sportive demain, Kéliane doit aller au BIA, enfin bon, il a école le matin, c'est juste impossible, demain ça aurait été trop galère pour Sébastien de tout gérer. Donc je me suis sacrifiée aujourd'hui, mais je sais très bien que demain, ce que j'ai acheté sera peut-être à moins 50%. Ouais. Je vais essayer de vous filmer l'arrivée de Sébastien et de Warren. Elle est là, maman. Dépêche-toi, Warren. Allez. Coucou, mon chéri. Coucou. T'es tout seul? Bah pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sale. Tes chaussures, elles sont sales? Mais comment ça se fait qu'elles sont sales, tes chaussures? Qu'est-ce que t'as fait? Il a sauté dans l'eau. T'as sauté dans l'eau, Warren. Bon, il est l'heure de manger. Sébastien, ce soir, nous a concocté des bonnes saucisses de Montbéliard. Oui, tu attends, mon chéri, ça va. Là, sont là, les saucisses, elles arrivent, regarde. Hop. Avec des légumes. Voilà. Hein? D'accord. Bah, lui, non, je les coupe là, parce que ça donne, je les ai laissées entières. Bon, t'as bien fait, parce que du coup, elles ont bien gonflé. Oui. Voilà, c'est un peu poché, ça va être, on va dire le terme. Comme ça, ça. Voilà. Ouh, tout le monde est fatigué ce soir. Oui. Pas moi. Pas toi.
Ah ben, je comprends pourquoi t'es pas fatiguée, parce qu'il n'y a pas d'école demain. Oui, et du coup, je peux regarder un film ou un match. Ah, ça je sais pas. Il va falloir négocier, hein. Il y a très sage surtout. Hop. C'est bon? Ça te va ça? On a un peu plus? Lui, il aime bien tout ce qui est saucisse. Oh oui, mais même la viande maintenant. Bon, allez, moi aussi je vais m'installer du coup. Power ici, et après le rouge. Et après pour regarder ici. D'accord. Flèche. Bon, c'est simple. Mais bon, je vais peut-être le voir tout à l'heure. Mais là, tu vois, faut que je le règle parce que ça fait un moment qu'il n'a pas servi. Tu vois, il met anglais, Londres, faut que je le règle. Okay. Mais bon, demain matin, on fera un point, mais c'est simple. Hein. Power, faut vérifier sur caméra et surtout sur le rouge. Alors Sébastien est en train d'expliquer à Kéliane un petit peu comment marche la caméra. C'est une c'est un ancien appareil photo à Sébastien et caméra. Ben c'est très simple, je l'ai acheté en janvier 2010. Bon alors voilà, je vous montre ce que je me suis acheté aujourd'hui chez Zara. Donc j'ai d'abord acheté ce petit chemisier que je trouve vraiment trop beau. J'ai pas l'habitude de m'acheter ce type de vêtements, clairement. Ça fait très longtemps que je m'habille plus comme ça. Et voilà, j'avais envie de quelque chose un peu habillé, sans trop non plus. Donc voilà, je me suis prise celui-ci. Il coûtait 39 euros. Je le trouve vraiment beau. Je pense que je mettrai un petit top en dessous pour que ce soit pas trop transparent. L'été, c'est bien, mais bon, l'hiver, c'est un peu moyen. Je sais que c'est léger, mais comme on sera dans un salon, il fait très chaud dans les salons. Je sais pas si. Vous êtes déjà allé dans des salons, mais on sera dans des salles où il y aura peut-être des conférences, des choses comme ça. Je sais très bien qu'il va faire extrêmement chaud. Donc voilà. Donc j'ai pris ce petit chemisier. Et en bas, il est un petit peu... vous voyez, ça fait un peu bouffi ici. Il y a un élastique derrière aussi. Voilà, j'ai mis ça avec une petite jupe noire. Je pense que je le mettrai comme ça. Voilà pour la première tenue. Je vais vous montrer la deuxième. Alors, voici la deuxième tenue que je me suis achetée. Alors là, c'est une robe. Voilà, j'ai voulu prendre une robe qui change un peu de ce que j'ai d'habitude, toujours. Ici, il y a un petit nœud, comme ça. Et de loin, voici ce que ça donne. J'espère que vous allez pouvoir me voir. Bon, c'est un peu court, j'avoue, devant. Mais bon, moi, elle me plaît. Donc voilà, je mettrai ça avec des petites bottines, des bottes. Bon, bah écoutez, ma foi, hein, moi, je me sens bien. En plus, elle est légère, je me sens bien dedans. Je suis pas serrée ni rien, donc franchement, elle me plaît vraiment. Donc, troisième tenue, c'est cette petite robe noire comme ça. J'aime beaucoup. Vous savez, les manches, elles sont un peu matelassées comme ça. Voilà. Et dans le dos aussi, c'est matelassé. Je sais pas si vous allez voir. Elle me plaît trop. Pareil, elle n'est pas si longue que ça finalement. Là, je vois dans la glace, c'est pas si long. Mais bon, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Ça change un peu. Donc ça, c'est la troisième tenue. Je suis super à l'aise dans cette robe. Et par contre, contrairement aux deux autres tenues, ben celle-ci, ça va. J'ai chaud dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est la tenue que vous préférez? Aussi, c'est possible que vous en préférez aucune, hein, parce que chacun ses goûts. Mais moi, je me sens bien dedans. Donc ça, je peux la mettre avec mes petites bottines aussi. Je ne sais pas si vous allez les voir d'ici. Sinon, je la mettrai avec des petites chaussures à talons. Je pense que je serai plutôt une bottine. Donc voilà. Bon, alors je suis trop contente. Je viens de finir de ranger une partie de mon armoire. Donc là, j'ai trié toutes mes robes. Il y a quelques tops aussi là-dedans. Et franchement, ça m'a fait du bien de trier, quoi. Du coup, j'ai mis de côté tout ce qui était trop petit. Pareil, comme j'ai fait avec les garçons. Et de ce côté, j'ai rangé tout ce qui était veste. Voilà, que ce soit veste en jean ou veste pour sortir, veste d'hiver aussi. J'oublie même des habits que j'ai dans mon armoire, je les oublie. J'y pense presque plus. Donc voilà, donc c'est bon de les avoir là, bien rangés, comme ça je sais où j'en suis à peu près. Et demain, je vais attaquer... Oui. Je vais attaquer cette partie. Voilà, là il y a des pulls, des sweats. Des pantalons, mais il y a encore plein d'autres choses à trier que j'ai déjà enlevées. Bref,
Voilà, souhaitez-moi bien du courage parce que ça, c'est mon travail de demain. Bon, je me mets comme ça, sinon vous n'allez pas me voir. Je vais me démaquiller maintenant. Et ensuite, je vais aller me reposer parce que demain, ça risque d'être une journée beaucoup plus compliquée, moins cool qu'aujourd'hui. Demain matin, on a rendez-vous pour les résultats du test de Clément. En début d'après-midi, nous avons encore un autre rendez-vous, mais là, c'est chez nous. C'est pareil pour des devis travaux, parce qu'on va faire des travaux à la maison. Je vous en parlerai en temps et en heure de tout ce qu'on veut faire. Et mes beaux-parents aussi arrivent dans l'après-midi. Entre-temps, il y a le sport pour les enfants, BIA pour Kéliane. Voilà. Hein, et il faut aussi que je continue mon rangement maison. Donc voilà, que je fasse ma valise aussi demain soir parce que je m'en vais jeudi matin. Je pars donc pour 3 jours, hein, comme je vous ai dit, enfin 4 jours plutôt. Je reviens dimanche pour un événement à Paris qui s'appelle le Salon des Familles. Et voilà, ça va être cool. Je pense que ça va être très très bien. Par contre, c'est vraiment la première fois que je pars vraiment toute seule avec... En laissant mes enfants à la maison avec, et en laissant Sébastien aussi, ça va me faire vraiment bizarre, mais bon. Bref, il faut que je m'y habitue, c'est le boulot qui veut ça aussi de temps en temps, donc c'est pas tout le temps non plus, et puis je pense que ça va me faire du bien. Bon, moi je vais vous laisser, je vais donc me démaquiller. Ce vlog, je pense qu'il sera pas très long clairement, parce que ce matin, ça nous a coupé une bonne partie de la matinée avec le retard du commercial. L'après-midi avec le shopping à La Rochelle, il faut compter quand même 70 km aller et 70 km retour. Mais bon, j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Du coup, ça me donne envie de faire du shopping plus souvent. Dites-moi si ça vous intéresse de temps en temps que je vous montre mes tenues, voilà ce que je mets. Parce que j'ai toujours aimé m'habiller. C'est vrai que j'y pense pas trop. Je sais pas si on est toutes pareilles, mais... Là maintenant, du fait que je trouve toujours une excuse en fait pour pas faire du shopping, pour pas m'habiller, alors que j'aime ça quoi, j'adore ça. Bref, on en reparle, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre de temps en temps des petits looks. Moi je pense que ça va me faire plaisir d'en faire. Je pense que je ferai peut-être une petite IGTV de 1 minute en montrant déjà mes 3 petites tenues sur Instagram. Je pense que j'en ferai de temps en temps. Je vais donc vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye!